Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de Forge de Magie. On est sur un anneau de Paul Watnos. On va le faire en Exo-Res O pour un Xelor PVP. Et si on a moins que 3%, on tentera un succès crit à la rune Résistance-Distance. Voilà. Donc l'OPO est tombé, on est 45 depuis. Alors. Il nous faut les 300 de Vita. On va avoir un petit souci là. En vrai, on va faire tac, 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 moins 3, oui, moins 10, j'espère avoir un moins 2 et pas un, enfin un moins 10 et pas un moins 11, oui, petit tacle, écoutez, plutôt correct. 32, il me faudrait un crit. Non. 30, j'ai 2 drabes, je peux rien en faire. Ouais, je peux absolument. Ouais, en vrai, techniquement, je peux encore en tenter un. Et si ça crit, j'ai une tenta sagesse. Non. Là, c'est mort. Donc j'ai 5 tentas repères. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 46 depuis. J'étais en train de théorycraft dans ma tête comment on avait le GPR Vita. Hop. 1,23. Magnifique. GG à tous. Alors j'ai moins 1,5. Enfin déjà j'ai eu plus 0,3, moins 1,5, moins 4. 17,8, putain il me manque 0,2 pour avoir une tentative de plus. Je suis un petit peu déçu. Pour une tentative de sagesse en vrai. J'aurais pu aller chercher un succès de plus ou je sais pas quoi, mais l'idée d'avoir la sagesse qui passe à 40 sur un succès crit m'a léché, je reconnais, je reconnais. 47 depuis. On a le père Vita. Ça fait plaisir. Moins 12. Moins 9. Vingt depuis. Je peux tenter de double crit. Non, pas possible. Je m'arrête là parce que double crit ça m'amènerait à 8 et donc ça fait que ça me ferait un double exo si je passe un repère. Après je perds des chances de passer mes runes, donc on évite. 1%. Écoutez, là on enchaîne les pu PO, mais c'est quand même du pu PM que je voudrais. Je pense qu'on va passer en double puits, c'est-à-dire que je vais laisser le PO tomber et on essaiera de faire tomber le PM et ensuite de faire PM PO. Donc là, en l'état, je vais tenter ma res distance sans crit. Et là, si ça crit, j'essaierai de remettre le PO. On enchaîne du coup. Enfin le G full perf, enfin surtout enfin le PM, parce que ça fait un moment que. Depuis le moment où le PO est tombé, ça fait longtemps là, je sais pas combien de temps, mais longtemps vraiment qu'on est sur l'item. Donc là, enfin on a le PM, on a 84,8 depuis, on a le full perf. Hop, moins 13. Hop, plus 0,2. Petit crit. Dommage. Moins 5. Hein. Moins 20. On perd beaucoup de tenta, c'est un peu dommage. Le crit qui nous a pas respecté. Sachant que je suis sur un G-perf depuis tout à l'heure stabilisé et ça tombe juste quand ça baisse. 1, 6, j'ai 41. Il me faudrait un succès crit pour gagner 1 depuis. Je pense pas les avoir. On va tester en vrai. Succès crit, please. Crit. Ah là, c'est mort par contre. Bon bah j'ai 6.
Est-ce qu'on a le PM? Non. 80 depuis. Alors le 12 va être un peu relou là. Je peux monter à 27. 42. Ça fait chier en vrai. On va aller chercher le 42, je pense. On aura plus de marge après pour leur baisser. Faut moins 6, moins 6. Alors là, évidemment, ça c'est le cri de chance que j'ai demandé la fois d'avant, en fait. Si vous voulez, c'est juste un peu de latence. Allez, le moins 6. Putain. Bon, tant pis. Ça se tentait. Alors là, c'est moins 6, mais moins 6 depuis, pour le coup. Ok, bon, ça crit. J'aurais pu commencer par le tackle, j'ai un peu abusé. Bon, ça crit, ok. Moins 9. Moins 6. Moins 4, on a 35, il manque 1 depuis. J'ai voulu chercher le full perf, je reconnais. J'avoue, je voulais faire 2 pas vides, 2 pods. J'avoue. Je confesse, je voulais le full perf, c'est tout. 86 depuis, bon on a le 38 sagesse, ça fait un peu chier. En revanche, le reste est clean, on va avoir beaucoup de tenta repair certainement. Sauf si évidemment je défonce. C'est le karma. C'est bon, j'ai dit ça. Je perds 30 depuis, pas juste parce que j'ai dit, on va avoir beaucoup de tenta repair. Et c'est bon, la vie me remet à ma place en fait. C'est juste abominable. 44 depuis, mais je suis anéanti. 7 tenta. Ça fait chier de ouf. C'est pas des R qu'il me faut, c'est des O. On va essayer de pas faire nimp. En vrai, dans ce cas de figure, j'ai envie de mettre le crit maintenant. Ça se tenter. Je peux presque tenter un crit tackle. Bon, ça, on va pas forcer. 87 depuis, on a le perf sagesse, il nous faut un moins 5 pour la vita, on va espérer que ça se passe bien. Moins 9. Allez, c'est maintenant, pas de moins 6 s'il vous plaît. Yes. Oui. Oui. ...64 depuis, je pense pas en avoir trop d'avant. Mais à la limite, on peut se poser la question. Si, j'en ai d'avant. J'en ai là. Alors là, je vais avoir besoin que mon chat me dise qu'est-ce que j'avais ici. Qu'est-ce qui a fait tomber cette ligne ? Vivement la prochaine mise à jour. Hein. À la 2.58, on verra une petite icône à gauche qui montrera la rune qui a fait tomber et je saurai instantanément ce que c'est. Le mec qui me dit patac dans le chat, absolument pas. Hein. Si j'avais patac, j'aurais pas en plus reliqué ici. Le chat me dit un en plus. J'ai peut-être un de plus. Ça donne envie, hein. Ok, donc apparemment j'ai 65 en fait, selon le chat. Je trust le chat. Toujours trust le chat. Une fois un crit.
Merci. Merci Dofus pour une fois. Merci. Donc j'ai 11 tentas. Sur du full perf. Ça peut devenir sérieux à tout moment. Bon, c'est chiant. C'est chiant. C'est très chiant. On va mettre la non, c'est Doperdi. Non, c'est Réperdi qu'il me faut, j'ai dit. Hein. Oui, Réperdi. Petit crit. Ça se tentait. Le genre de puits qu'on veut, les amis. Oui. Oui, le perf vita. Oui, le perf sagesse. Oui. Je pense que j'ai 89. J'ai compté à partir de ici. J'ai peut-être un peu de rap d'avant, mais je suis pas sûr du tout. On va y aller comme ça. Comme ça, moins 12. Le tac, let's go. Moins 8. 69. Je peux tenter un crit à la pas faux. Je peux encore tenter un crit à la pas faux. Non. Donc j'ai 11 tentas. Encore. Full perf. C'est parti. Ça part très bien. Oui. Est-ce qu'on va avoir la chance de voir un 4% qui sort? Et non. Est-ce qu'on a le PM? Est-ce qu'on a le PO? N'a pas le PO. 84 depuis, petit doute sur le reste d'avant. On verra si on en a besoin plus tard. Allez, on va accepter ça. Hop. Moins 12. 63. Une tente à sagesse. 10 repères. Est-ce qu'on a le PM? Oui, est-ce qu'on a le PO? Non. Par contre, je suis un bouffon parce que j'arrête le record alors qu'en fait, il peut se passer des trucs là. J'avais donc 0 de puits théoriquement. J'ai eu 18. Plus 4. Plus 24. Plus 90. Moins 51. Moins 9. Donc en fait, c'est absolument pas fini. Merci pour ton abonnement, Rem Chou à la crème. Ah oui, pas mal, pas mal. Le petit déjeu petit, évidemment. Bon, tac. Moins 12. Moins 8. 56. Neuf tentas. Oui, Grifox, il faut remettre le PM avant de mettre le 4%, parce que le 4% il passe que en crit et ça change rien, machin. 4% ça peut passer en succès neutre, les amis. Alors, est-ce qu'on a le PM? En vrai, je serais refait d'avoir un PO, c'est pour PVP. Ça me ferait trop plaisir. Tant pis. 86 depuis. On a le full perf assuré. Bon, on n'a plus de puits, mais on a le full perf, donc bah nickel. Lucky, hein. J'ai 8 tentas.
On est passé à pas grand chose d'une tenta monstrueuse, mais on s'est fait bolos. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. On avait plus 2,5, moins 48, plus 18, plus 90, moins 51, 57. Bah voilà, on gagne nos tentas petit à petit, si vous voulez. Faudrait un crit pas faux. Crit pas faux, ça met bien là. 9 tentas. On a le PM. Pas de PM. Pas de PO. Ça nous fait quand même pas mal de tentats full perf 3% qui s'enchaînent. Hein. Ça finira par passer. Hein. Allez, on continue. 80 de puits, perf sagesse, ça fait plaisir. Oui. C'est pas mal là. Hein. C'est pas dégueu. Oui. 70. Je peux tenter un crit. Tant pis. J'ai 11 tentats. %, parce qu'on a le PM. Non. Ça va 2 minutes aussi là. J'ai tellement bien compté dans ma tête. Donc là, bon, ça doit être de la repair. J'avais pas vu qu'il était tombé en fait. Donc moins 18. Je me suis tapé une bonne série de gros critas. Moins 16. Là, je peux faire ravi. Voilà. Et tac, tac, tac. Tac, et on a le full pair. Bon, on a plus de puits. Bon, ça, si vous voulez. Est-ce qu'on a vraiment besoin de puits pour faire de la forge de magie au bout d'un moment? Voilà. J'ai combien du coup là? J'ai eu. Bon, c'est rien ça. 1, 2, 3, 4. Bon, oui, moins 50. Bon. Ah bah, j'ai zéro. Oui, c'est chiant, j'avoue. Mais tranquille. 81 de puits, on n'aura pas le full perf, on va ravi, on va essayer d'avoir du moins 6, du moins 5. Oh non, mais c'est chiant ça, sérieux, ça casse les couilles. Moins 60, bah, parfait, enfin, GG à tous. En plus, je suis en double puits, hein, donc c'est censé passer mieux. C'est pas drôle, hein. C'est pas hyper drôle. Bon, bah allez, on va dire que. Oh putain, il me manque un. Il me manque un, ça me fait 23. Je peux tenter un crit en vrai. Non. Je peux tenter une sagesse. Et j'ai 3 tentats. C'est pas très très marrant quand même. Hein. Je vais tenter maintenant le crit Reperdi. Parce que si ça fait tomber le PM, à la limite, ça peut être intéressant. Non. 88 depuis. Toujours le même problème, on n'arrête pas de se taper des congruences à 7 de mort là. Bon. C'est juste hyper chiant en fait. Je vais go 22. C'est vraiment le pire scénario. Je vais go, ouais, je peux faire ça. Et ravi. Bon déjà là je perds pas 60 de puits, hein, on va dire qu'il y a déjà du progrès, GG à tous. Et il nous faut du moins 6 quoi. Bah enfin! Vous voyez que c'était pas tellement de la merde ce que je voulais faire. Hop! Moi je l'ai mérité celui-là, je peux vous le dire. Moins 3, c'est insane. Hein. Parfait, 12 tentats incroyablement bien gérés. GG aux joueurs français. Allez, 12 tentats, ça peut faire des dingueries de ouf.
3, yes. Est-ce qu'on a le PM? Oui. Est-ce qu'on a le PO? Non. 86 depuis. Moins 12. 74. On peut tenter double crit. Et non, tous tentent. Bon, j'aime les 3% qui passent comme ça, ça me régale. Ça sonne comme une douce mélodie à mes yeux. C'est magnifique. Oh! Donc j'avais 0 en trop, j'ai 18 plus 90 moins 51. 57, j'ai une tente à ça. 9 tentes à repère. J'ai eu un crit. Je doute qu'on aille très loin là-dessus. Je vais quand même la faire dans le doute. Ouais, non, je me disais aussi. 81 depuis. Belle congruence, ça fait plaisir. Moins 9. Moins 8. Moins 3. 61. Bon, on a un de rab, on va pas chupeter. Je pourrais tenter d'avoir 5 succès crit à la rune chance, hein. Mais bon, ça fait 2 minutes. Bon, hop. Tac, tac. Allez, ça commence bien. Oui, allez. Allez. On clique, on clique, on clique. J'ai cliqué toutes mes forces. Et en vrai, on enchaîne les tentats à full perf 3%. Hein. Ça finira par passer. 80 depuis. Bon, je pourrais tryhard le perf vita, mais on n'a pas le perf sagesse de toute façon, et autant se faire un peu plaisir sur les tentats à repère. Donc c'est juste parti, hop, hop hop hop, là on est sur de la forge magie intensive, hein. On fait 12 tentats à la minute, ça régale, 64, 2 drabs, en vrai, allez, je m'accorde ce petit plaisir, ça aurait pu, ça aurait pu, tech. Et non! Bon, on n'aura pas le full perf, on va accepter le near perf. Je pourrais tryhard de la vita, mais encore une fois, quand j'ai pas la sagesse au max, j'évite de me casser trop la tête. J'aime bien theorycraft le perf vita quand j'ai mes 40 sagesse pour vraiment aller chercher le full perf, mais là, on va accepter. C'est pas de chance. J'ai peut-être... Ah non, je pense pas avoir du rab en vrai. Je pense vraiment pas avoir du rab. Bon bah là pour le coup on va faire une tente à pavie. Reste 2. Je vais faire une tente à chat. J'ai gagné une tente à pavie. Oui. Bah écoutez, c'est honnête. On a bien optimisé le truc. J'ai 5 tentes à du coup. J'ai très bien optimisé mon coup. 2%. Pas de PM. 86 depuis. Pas dégueu, hein. Pas dégueu du tout l'attentat. Moins 18. Je peux tenter un double crit. Non. J'ai 11 tentats, c'est propre, hein. Franchement c'est très propre. On a le 3%, encore. N'en déplaise aux rageux qui n'aiment pas ma stratégie de double puits. Pas de PM. 74 de puits, moins 1 vita, c'est ok en vrai. Oui, le crit qui fait plaisir. Moins 6. 68 de puits, bah c'est pas mal. On peut tenter double crit crée neutre. Pour l'instant, ça m'est encore jamais arrivé, hein, mais techniquement, si je fais double crit, je gagne une tenta, donc bon, c'est ok. 11 tenta, let's go. Cool. Est-ce qu'on a le PM?
Et non. 87 depuis. On a le full perf. Plus 0,3. Je ne sais plus sur quoi j'ai fait tomber le PM et le chat m'a dit repair, mais je sais pas, il y en a qui me troll, qui me disent Patek, Rasa. Du coup, j'ai compté en partant du principe que le chat m'avait pas trollé. Hein. Si ça se passe mal, c'est la faute du chat, évidemment. La petite passa, c'est pas mal. Moins 4. Moins 8. 59-3. C'est pas de chance. Il manque pas grand chose. C'est possible que j'ai un peu de rap d'avant, j'ai un doute. En vrai, on va jouer la sécurité, on va crit. Non, on va rien crit du tout. Bon, bah j'ai 9 tentes. Hein. Ouais, hop, ça dégage. Hop. Ah, dommage. Pas de PM. 86, 2 depuis. Allez, il faut choper le perf Vita. Moins 30, ok, c'est un peu dommage. Je peux test le moins 31 sur la repair. Bon, on va pas abuser. En vrai, là, si je fais une vie. Si je fais vie, ça me dégage la chance, on est d'accord? Oh, quel move de génie! C'est un move combien de QI ça, le chat? Je vous laisse faire une esti. Donc là, on a plus 0,2. Là, on a plus 0,2. C'est pas mal. On va ensuite s'occuper de ça. Moins 3,5. Quand je disais crit, je parlais de la rune, hein, pas du fait que ça passe en crit, mais ça me va, je prends. Ok. Oh la vache. Ah non, mais... Ça sert à quoi que je me tracasse à aller chercher la vita de ouf pour avoir ça. Allez, on continue. Dommage. Allez, il me faut du moins 6. Dommage. Bon, bah écoutez. 47 plus 4, 51. Je peux tenter une pavie. J'ai 8 tentes. J'aurais pu grappiller 2 de vita à la pod. Pas de PM. Magnifique Tenta, 88 depuis. Allez, il me faut un moins 5. Nice. Ok. Plus 0, 1. J'ai moins 18. Plus 2,5. Quoi? Il n'y a déjà plus rien à remonter? Mais on pourrait presque croire que c'était une bonne idée, en fait, de faire du double puits. Pourtant, je me fais insulter dans le chat, c'est quand même bizarre, ça. Bon, si vous voulez. Là, c'est du très très fat. On a 12 tentas sur G full perf. Et ça commence bien. Et oui, ça continue bien. 3%. 3% full perf. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO, les amis? Ce serait beau d'avoir le PO là-dessus. Plus 108, moins 51. Ça aussi, c'est un avantage de double puits. Bon, bah écoutez, je peux tenter un crit. En vrai, on va mettre une prosp pour changer un peu.
Crit, please. Non, j'ai donc 9 tentats. Oh! Ça me va, ça me va. Est-ce qu'on a le PM sur cette deuxième tentacle consécutive full perf? Vous voyez les avantages de ma technique PMPO, hein? Les rageux rageront. Moi, je vois les tentacles qu'on enchaîne depuis tout à l'heure, hein? Après, voilà. Allez, on continue. 84 depuis. On a le full perf. Le crit qui met bien la sagesse. C'est très clean ça, c'est très très clean les amis, ça me plaît. Ça me plaît beaucoup. Pas de PM. Je crois que j'ai tombé la patac. En vrai, je crois que j'ai moins 24 du coup, c'est un peu technique. Hein. Est-ce que je vais crit le Père Vita ou pas? Bah, je pense que je peux pas trop me permettre. Ok, ça me met bien. Neuf tentats. Pas de PM. 70 de puits. Bon, je suis un peu triste parce que j'ai mis la ravie un peu vite et j'aurais fallu faire pavie, ravie, pod. Maintenant, je suis un peu baisé. On va dire que c'est la faute du chat, évidemment. Hein. Par contre, là, j'ai pile poil 66, ça me fait 11 tentas, donc en vrai, c'est cool. C'est assez cool. Vite fait, bien fait, hein, rapide, efficace. C'est vraiment l'avantage de double puits, c'est que je me maintiens à un jet qui est tellement haut qu'en fait, les tentas, ça s'enchaîne tout seul. Par contre, les 3%, non. LPM. Je vais tenter maintenant le Reperdi. Alors, ce que je peux faire maintenant, c'est remettre des repères haut et espérer que ça fasse tomber le PM. Bon, ça se tentait. Si j'avais fait tomber le PM à la rep. Le mind game, les amis. Toujours faire les choses bien et toujours anticiper sur les prochaines runes. Quand on est dans un cas comme ça où on a le G quasi perf et on n'a pas notre Exorez. Il faut anticiper sur la suite quelle est la rune la plus intéressante et dans le meilleur cas de figure pour que j'ai une tenta de fou. C'est tout le temps, il faut. Quand je vois des fois des gens qui disent oh je mets un PO pour casser le G ou je sais pas quoi, ça m'énerve parce que c'est débile. Il faut tout le temps se dire je suis à un G haut et je peux déclencher une singularité qui va me permettre d'avoir une grosse tenta. Et ça c'est ce qui vient de se passer. Et ça c'est parce que j'ai eu la présence d'esprit de me dire je vais mettre une repère haut et je vais pas spam des restes distances comme un débile. Voilà. Donc là on est à 84 a priori. J'ai eu. Normalement, j'avais plus de puits. Mais apparemment, j'avais 3 en rab, c'est bizarre. Ouais, j'avais peut-être du rab d'avant, effectivement. Peut-être, possible. Donc là, en tout cas, j'ai 84. Et là, bah, c'est quand même plutôt cool. Moins 9. 75. J'ai 3 en rab. Je peux donc mettre ma petite pavie pour tenter la pod. Et j'ai 12 tentas. Et là, c'est vraiment fat. 2, 3, 3%. Est-ce qu'on a le PM? Oh, non. 85 depuis. Potentiellement belle tenta. Moins 20. Allez, il faut du moins 6. Dommage. Voilà, c'est la sauce. Hein. Quoique, encore un moins 6 peut-être. Oh oui, yes, oh yes, oh non! C'est une tristesse qui est proposée. En vrai, c'est ok. Tout pile 9 tentats.
J'avais tout donné sur la Vita, vraiment. C'est pas de chance, hein. Oh, petit 3% sauvage qui proc. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On a le PM. Est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 87 depuis. On va lâcher notre meilleur ravi. Et la fameuse papode, hein. Celle-là qui régale. Si je la trouve, oui. Hop. Plus 0,1. Ok, le petit cri de sagesse qui compense un peu. Oh, ça met bien ça. Moins 4. 53 depuis. Est-ce que j'ai une petite chance d'avoir 1 en rab? C'est pas impossible en vrai. Je vais quand même la jouer safe. Faudrait un petit crit. Pas de chance. J'ai donc une tenta sagesse. Et 8 tenta repair. On a juste le PM à remettre. Est-ce qu'on a le PM, les amis? On n'a pas le PM. 22 depuis sur cette Rasa qui fait tomber le PO, c'est un peu bizarre, mais en vrai, rune tag, ça me fait 18, 3 tentas. Ok, non, j'ai un crit, donc là j'ai 22. J'ai peut-être même un peu de rap d'avant, c'est pas impossible. On va quand même le jouer le mec très sérieux, on va tenter notre petit crit. Ok, non, j'ai encore une tenta. Ok, c'est mort, j'ai 3 repères. La meilleure chose que j'ai à faire, c'est mettre repère. Et espérer que ça fasse tomber le PM. Et si c'est ça, j'ai une tenta, les gars. Godlike. Ça va se tenter. Tant pis, on continue. 78 depuis, c'est ok. Bon, on est en near perf. Ça passe bien. C'est pas trop mal. Moins 6. Moins 8. 61. Let's go. Allez, le troisième, oui. Est-ce qu'on a le PM? On a le PM, est-ce qu'on a le PO? On n'a pas le PO. 86 depuis. Bon, la Vita, ça fait bader. Je pense qu'on va la laisser comme ça. C'est un peu triste, mais bon, c'est la vie. Que là, je vous avouerai que over à la pavie pour pod, c'est un peu chiant, surtout qu'on n'aura même pas le full perf. Donc, techniquement, je pourrais over à la ravie et vraiment bidouiller mes moins 6 et tout, mais pff, flemme. On a 65. Est-ce que j'ai 1 de plus en rab? Là, j'ai moins 3. Ah, j'ai full moins reliquat. En vrai, c'est chaud. Je vais tenter le petit rune chat. Petit crit, please. Petit crit, please. Ah, pas de chance. Du coup, je peux tenter ma... Là, j'ai moins 4. Je peux tenter ma pavie, en vrai. 10 tentas. Deuxième fois. Oui, Grifox, le quatrième pourcent, ça sert à rien de le faire avant de repasser le PM, parce que tu sais, ça peut passer que en succès crit. Mes 6 derniers 4% que j'ai eu en tenta, c'était 6 succès neutres. Voilà, je pose l'info, vous en faites ce que vous voulez, mais les gens théoriecraft du LAFM qui me disent que ça passait que en succès crit, regardez mes streams, évidemment. Est-ce qu'on a le PM, les amis? Oh, le rect. Le rect, pas de chance. On continue. 85 depuis. Bon, on va aller chercher le verre de 32 et on verra ce qui se passe. Ok, bon, déjà ça passe bien, c'est cool. Allez, il faut le meilleur moins 6, please. Tant pis. Zéro regret. Moins 4. Belle tenta en vrai. 65. Je peux tenter dans grid 1. J'ai peut-être un peu de pluie d'avant en vrai.
Moins 3, j'ai 62, j'ai 2, j'ai une tente à pavis. J'ai 10 tentes à repère. Est-ce qu'on a le PM? Non. Bon, j'avais une vita parfaite, mais on va rectifier ça, les amis. Je peux faire ravi. Là, il me faut un moins 3. Enfin, il me faut un moins 15, pardon. Il me faut vraiment le moins 15. Oui! Et là, normalement, si j'ai bien compris, si je fais une pavie, ça m'enlève juste la force. Hein. Exactement! Exactement! Oui, c'est si beau! C'est si beau le tryhard DG, les amis. Toujours, toujours. Les décimales qui vont s'annuler pour une fois que ça sert à quelque chose que je compte mes décimales. Donc là, j'ai ça, plus 2,5, 77. Je devrais y aller à la repère là. C'est une très très belle tenta. Ok. Donc là, j'ai. Il m'en reste 12. Enfin, il m'en reste 11 et j'en ai une 12e si j'arrive à avoir un crit. Non. Donc j'ai. Maintenant. Pas se planter. Hein. Ok, hop. Pas de chance. Et pas de PM. Magnifique tenta sur cette chute du PM. C'est si beau. Les congruences sont parfaites, les planètes sont alignées, c'est absolument magnifique. Moins 12. La force de la congruence avec nous, évidemment. Hop. Alors, petit crit. On va tenter le crit à la prosp. J'ai envie de crit à la prosp aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Ne pas mettre une pas prosp, ce serait triste. Ok, j'ai 11 tentas. Quand je dis que les planètes sont alignées, voilà, je vais me taire pour pas me faire karma. Tranquille, tranquille, tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Dommage. 86 depuis. On a 12 d'over. Franchement, ça se fait, moins 6, moins 6. Aïe, moins 40. J'espère au moins que j'aurai mon moins 6, moins 6 pour compenser un peu si vous voulez. Ah, non. J'ai mon cri de chance que j'espère avoir depuis tout à l'heure juste quand je m'en fous, ça régale. Moins 10. Moins 6. On a 5 tentas. C'est pas très beau. Hein. Après, si ça nous fait un 2% avec une. Oh! L'avantage du double puits, les amis. Mais oui, mais bien sûr, ça régale. 81 de puits. 27 à dégager, c'est chiant. Bon, faut y aller, hein. Est-ce que je préfère 27 ou 42? Je crois que la question, elle est vite répondue. 42, c'est. Est-ce que c'est mieux? C'est pas mieux 42, on va faire ravi. Hein. Moins 20. Allez, il faut les meilleurs moins 6 là, please. Évidemment. Coup dur, hein. Coup dur. Ok.
48, c'est un peu de la merde. Hein. Pas très gentil, 1%. J'ai vu du 3% passer sur moins que ça. Hein. 84 depuis. Oui, le crit. Bon. Je vais faire une vie. Ce sera plus safe. Putain, j'ai perdu un depuis. J'ai le seum. Ok, bon, j'ai le full perf. Ça, c'est pas mal. Espérons que les lignes du bas soient pas trop capricieuses. C'est ok. On va tenter le crit. Cinq tentats. Deux pour cent, franchement, on s'en sort pas trop mal. Pas de PM. Bon, j'ai remonté un truc à l'arrache, j'ai un crit, ça me fait ça, c'est ok. Ah non, c'est de la merde. Le plaisir, les amis, du double puits, regardez-moi, le PM tombe, il n'y a rien à remonter. Bon, on n'a pas le perf sagesse, unlucky. On a 89, et c'est possible que j'ai un de rab, mais vraiment, là, je sais plus du tout ce que c'est, et bon, compliqué, j'y crois pas trop, mais c'est possible. On va quand même tenter d'y aller gentiment avec un petit crit rune chat. Vivement hein, qu'on ait les runes affichées, ça fera du bien. Oh oui! Mais oui, mais bien sûr! 15 tentats! 15 tentats repair, qu'est-ce qu'ils vont faire, en fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Bien sûr, 15 tentats! Oui, Grifox, ça sert à rien, double puits, tu devrais remettre ton PO. Allez, 15 tentats sur GPR, vous allez me faire quoi, en fait? Allez, let's go, en fait, bien sûr, et ça commence, 2%, on y va. Allez, faut que je pourrais me mater un film, je reviens, c'est encore en train de défiler. Et bien sûr. Et voilà, le plaisir de mettre 15 tentats dans le slow des runes, évidemment. Évidemment, le mec qui me dit « je veux sub dans le chat », fais-le, hein. Très très bonne idée. Est-ce qu'on a le PM? Bon, non mais tranquille, on a eu le plaisir de mettre 15 runes, ça fait plaisir ça, ça fait plaisir, allez on continue. 78 depuis. Père Vita. Dit Tintin. Pas de chance. 83 depuis, on a le père Vita, c'est ok. Crit, ouais, ça fait plaisir, moins 10. Plus 0,1. Le jeu qui commence à fatiguer, là, quand les runes mettent 1000 ans à passer comme ça, on a moins 3,5. Moins 6, 63, j'ai une tenta sagesse.
Ça commence bien. Est-ce qu'on a le PM, les amis? C'est abusé en vrai. C'est un peu chelou par contre, la Vita. Ça me fait 10 de vie. C'est assez étonnant. C'est ok, mais c'est étonnant. Bon, bah, du coup, j'ai 88 depuis, a priori. Peut-être un peu de rap d'avant, mais tranquille. Petit crit qui met bien. Allez. Est-ce qu'on peut espérer double moins 6 par exemple? Ah. Coup dur pour Grifox. J'ai fait le con, j'aurais dû mettre une réfix une fois que j'avais mon moins 5. Ça aurait limité la caste. Là, j'ai fait le bolos. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. 88 plus 1, évidemment 89. En vrai, bon, j'ai plus de runes. Ça va être la fin de la soirée. Je crois que j'ai envie de tenter les 15. En mode, on a un peu le goût du risque, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que là, j'ai 89 avec ce que j'ai. C'est possible que j'ai un peu de puits d'avant, j'ai pas spécialement compté. On est joueur, on aime le risque, on aime le goût de l'adrénaline, évidemment. On va se mettre 15 repères pour finir la soirée, parce qu'il faut que j'aille manger là. Parce que je vais littéralement faire un malaise sinon, d'hypoglycémie devant mon item, ce qui serait un peu triste. Est-ce qu'on a les 15 tentas? Attention, attention. Eh oui, le karma, toujours avoir confiance, les amis, toujours. Toujours confiance dans le PM qui passe en crit à chaque fois, la chance. La chance! Les amis, j'ai eu un problème. J'ai eu un problème. Je vais vous expliquer. En fait, il y a 2 nuits, je me suis tapé une insomnie hardcore. Vraiment hardcore, hardcore. Et du coup, j'ai refait dans ma tête tous les théories craft de mes staff PvP. C'est pour ça que je me suis dit, j'ai besoin de cet anneau. Du coup, hier, on a fait une session de 5 heures de live FM là-dessus. C'est ça qui va faire que la vidéo compilation sur YouTube va être assez longue. Sauf que depuis cette nuit, j'ai encore tapé une insomnie, et du coup j'ai encore revu mes stuff dans ma tête, et en fait j'ai pas besoin de l'anneau. Voilà, donc en fait je retombe d'accord avec ce que j'avais décidé il y a 2 jours. Et en fait tout ce qui s'est passé hier ne servait à rien. Donc en fait j'ai pas besoin de cet anneau, si vous voulez. On a passé 5 heures de FM pour un truc qui ne me sert pas. C'est pas de chance. Du coup ce qu'on va faire... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même essayer au moins de faire cette tenta. Et pour ne pas que vous soyez frustrés d'avoir eu toute la vidéo pour peut-être qu'il se passe rien de ouf. Enfin, en vrai, il s'est passé des trucs de ouf parce qu'on a fait plein de trucs. On a eu je sais pas combien de tentas perd 3%. On a eu 2 tentas 4% en succès neutre. Non, en vrai, il s'est passé des trucs de ouf dans la vidéo. C'était cool quand même. Je pense que ça vous plaira. Mais du coup, je vous réserve une petite surprise pour la fin pour quand même qu'il y ait une petite récompense à la fin de la vidéo, évidemment. Évidemment. Bon, donc là, on a 81 depuis. Si vous voulez, on va commencer par la ravie. Ok. C'est pas faux. Évidemment, moins 16, hein, on connaît. Moins 9. Moins 12. À tous les coups, c'est sur maintenant que je n'ai plus rien à faire de l'item que je vais passer une dinguerie. Hein, ça, je connais. 50. 50, j'ai 2 en rab. Pas grand chose à faire avec 2 en rab en vrai. Ok, c'est mort. Donc 8 en tas. Évidemment, 1%, c'est de la merde. Non mais c'est bien représentatif de ce qui s'est passé sur cet item, hein, évidemment. Donc bon, bah, ça dégage du coup, hein, ça sert à rien de s'obstiner, aux F de cet item, en plus à la revente c'est pas très intéressant. Donc bah, j'ai juste niqué, en vrai hier je devais être à 15 millions de runes sur l'item, plus le... Ouais, bon, j'ai lâché 15 millions dans le... Non mais ça me régale, ça fait plaisir. Bon, ce qu'il me faut c'est qu'en fait là j'ai un petit casse dragueuf, je pensais à la base mettre un PM dessus. Bon, 19 d'Overvita pour un exo PM c'est un peu chiant quand même, Normalement je tente des PM sur dragueuf à partir de 240 Vita. Mais bon, j'avais ça qui traînait, je me suis dit, bah allez, on va go PM quoi. Et sauf qu'en fait, dans mes multitudes d'heures de théorie craft dans ma tête, je me suis dit, en fait, j'ai besoin d'un dragueuf dommage distance. Donc en fait, on va essayer de choper le perf là-dessus pour trans dommage distance. Voilà, c'est ça le petit bonus de la fin. Petit exercice théorique. Alors là, ce qu'il va falloir faire, c'est il va falloir choper en fait un moins 6 à la Vita. C'est la seule option, c'est moins 6 et pod qui me fait moins 13 et j'ai le full perf.
Donc il faut juste mettre la run chance et espérer avoir un moins 6. C'est tout ce qu'il faut, sinon on est baisé. Allez, c'est maintenant que ça se passe. Tac. Pas de chance, pas de chance. Bon bah là du coup maintenant c'est de la merde. J'aurais pas le full perf. Donc autant mettre un PM. Parce que, de toute façon, jamais de la vie je transe sur un 199 Vita, c'est mort. Donc petite tente à PM. Bon du coup l'over Vita est encore moins significatif, mais bon si ça passe, ça fera toujours plaisir éventuellement. Et pas de PM les amis. Bon bah du coup voilà, ça marque la fin de cette vidéo. Ça sera peut-être un peu long, mais en vrai stylé. Je trouvais que l'anneau était quand même très agréable à FM. Puisque... comment dire? Bah le fait que déjà il y a le PM sur un anneau, qu'il n'y a pas beaucoup de lignes, les lignes sont pas très hautes, en fait les tentats s'enchaînent quand même assez vite. Et en double puits, il y a le côté hyper stimulant d'avoir plein des énormes tentats. On a eu du 15 tentats repair et tout. On a eu 2 tentats 4%. En vrai, c'est assez ludique à faire. Moi, personnellement, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Ça m'a pas du tout tilté ni énervé. Et j'ai cru comprendre que ça vous avait plu aussi, donc c'est plutôt cool. Voilà, écoutez, vous pouvez poser votre petit commentaire, votre petit like, vous abonner, tout ça, tout ça. J'essaie de lire tous vos commentaires, j'y réponds souvent. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt.